Alors, bonjour, chers élèves. Je me nomme Monsieur Teddy Fiacre Mobimwana, professeur certifié de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons faire notre cours sur les courbes paramétrées. Et c'est en terminale C que nous allons aborder notre cours. En cela, qu'est-ce qu'on entend par courbe paramétrée? Les courbes paramétrées, ce sont les fonctions qui sont liées par un système de coordonnées x et y en fonction d'un paramètre. Donc, et cela, nous allons entamer notre cours sur les courbes paramétrées. Et nous allons dire, ici, le plan est muni d'un repère orthonormé. Le plan est muni d'un repère orthonormé, OIJ. OIJ. Et on considère deux fonctions. Là, on écrit soit x et y, deux fonctions numériques. Deux fonctions numériques définies sur Donc, sont définis sur un même intervalle. Même intervalle. I, donc I de R. Donc, on met ça inclus dans R. Donc, I est une partie de R. Définis sur un même intervalle. I de R. Donc ici, comme on l'avait dit, ce sont les courbes paramétrées. Donc les fonctions x et y doivent dépendre d'un paramètre t. Donc ce paramètre-là, on va dire, était un paramètre réel. Un paramètre réel. Voilà. Et quand on dit t est un paramètre réel, cela veut dire que t appartient à l'ensemble R. Maintenant, c'est là on va entamer notre première définition. Ici, on revient là. C'est une définition. Donc, on va définir le courbe paramétrée. Définition. Donc, à la définition, ici, on va dire, on appelle courbe paramétrée, on revient à la définition, on appelle courbe paramétrée virgule, appelle courbe paramétrée virgule l'ensemble C, donc ici nous avons l'ensemble C des points M, des points M, donc ce point M là dépend d'un paramètre T défini là-haut, donc des points M du plan. Des points M à du plan, des coordonnées donc plaisir x t y
utile. Parce que dans un repère orthonormé, nous avons deux axes. Il y a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, tout point situé sur ces repères doivent avoir deux coordonnées, X et Y. Donc, dans la représentation, La représentation paramétrique est de point. Donc ici, nous avons x sera une fonction en fonction de t et le y aussi une fonction de t. Et si t est un paramètre réel, c'est-à-dire t appartient à l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels. Donc ici, on peut prendre un exemple pour voir la forme des courbes paramétrées qu'on peut étudier. Exemple, on prend le petit a, qui est x de t égale sinus. X est égal à sinus t, y de t égale à cos de 2t. Et t appartient à R. Et ça, c'est notre premier exemple. On peut prendre un deuxième exemple qui est x de t égale à 1 demi plus t carré et y de t égale à t carré plus 2t. Ça aussi est un exemple de courbe paramétrique. Maintenant, à partir des exemples là, on va repartir, prendre un deuxième sous-titre à partir de l'exemple que nous avons vu. Ça, c'est l'exemple d'une courbe paramétrée. Et ici, on revient sur petit 2, fonction vectorielle associée. C'est-à-dire, on va voir une fonction qui sera associée à ses coordonnées de ce point M dans le repère orthonormé OIJ. Et on écrit 2, fonction vectorielle associée. Donc, c'est la fonction, comme nous entendons bien, fonction vectorielle associée à cette courbe paramétrée. Donc, on revient là pour définir notre fonction vectorielle. Ici, on appelle fonction vectorielle. F. Donc, cette fonction sera notée F associée. Donc, F associée, virgule, la fonction notée F de T égale à O M de T. Donc, c'est la fonction vectorielle. Donc, ici, la fonction-là est liée à ses coordonnées de la manière suivante telle que on peut écrire là directement avec OM de T qui signifie aussi la fonction F. Donc, on a X de T I plus Y de T
J. Voilà. Et ça, notre fonction vectorielle. Donc, le vecteur OM de T peut être aussi remplacé par le vecteur F de T. Donc, F de T et OM de T représentent la fonction vectorielle. Prenez un exemple pour éclairer comment l'élève, comment vous allez écrire. Comment vous allez écrire ces fonctions-là. Donc, dans cette expression, on peut aussi dire où f de t égale à x de t, i plus y de t, j. Voilà. Donc, celui qui voit cette expression-là, de cette façon-là, qu'il ne soit pas traumatisé en disant, bon, et je vois le vecteur OMT, bon, ici, c'est f de t, ça signifie quoi? Donc, ça signifie juste la fonction vectorielle telle que c'est noté là-haut, ici. Donc, le f de t, c'est la fonction vectorielle. On peut le noter comme ça en fonction de point OM et ici, en fonction de la fonction elle-même f de t. Maintenant, prenez un exemple. Comment vous allez écrire cette fonction-là avec les coordonnées du point M qu'on a défini ici dans notre première partie à la définition. Et dans le cas pratique, si prenons un exemple à cette fonction-là, on va dire exemple, soit gamma, la courbe dont la représentation, gamma la courbe, dont la représentation paramétrique paramétrique dans le repère. Donc là, on est dans le repère OIJ, voilà. On est obligé d'annoncer ce repère-là parce que la fonction aussi est là-dessus. Dans le repère orthonormé OIJ est ici la fonction paramétrique. Pour nous, ici, nous avons 1 plus cos t et le y de t. Là, nous avons t sur 2 plus sinus t avec t appartient à r. Donc, dans cet exemple-là, nous avons notre représentation paramétrique. Et ici, la fonction vectorielle, donc on va dire la fonction vectorielle, c'est notre exemple, ça porte sur la fonction vectorielle. Comment écrire l'expression de la fonction vectorielle en fonction de notre courbe paramétrique? Donc là, on va dire la fonction vectorielle vectorielle associée, fonction vectorielle associée à gamma est telle que fonction vectorielle à gamma est tel que, deux points. Donc, en écrivant f de t, on met le vecteur parce que c'est une fonction qui est vectorielle. D'après la formule donnée ici dans la définition, notre exemple est là. On va juste remplacer x de t par son expression qui est 1 plus cos t ici
Et y de t, par son expression qui est t sur 2 plus sinus de t, là. Là où il y a y de t. Et c'est tout. On va écrire. On a 1 plus cos t, vecteur i plus t demi, plus sinus de t, mais le vecteur j. Voilà notre fonction vectorielle associée à cette courbe paramétrique. Maintenant, à cela, on va passer sur un autre sous-titre. On a vu la définition, on a vu la fonction vectorielle. On va chercher à regarder comment étudier cette fonction ou encore étudier cette courbe paramétrique. Parce que c'est une fonction aussi, parce que l'autre, on regarde la définition. Donc, la courbe paramétrique est liée à des fonctions. Donc, ces fonctions-là peuvent être étudiées et construites. Donc, en cela, on va y passer à notre troisième titre, petit 3. Dans le petit 3, on va écrire plan d'étude. d'une courbe paramétrique. Voilà. Plan d'étude d'une courbe paramétrique. Bon, les courbes paramétriques sont en fonction des fonctions qui sont là-dessus. Donc, ils ont aussi leur plan d'étude. Donc, ici, le plan d'étude, bon, je pense que tout le monde a fini de regarder et d'appréhender cette partie que nous allons effacer pour parler de notre plan d'étude des courbes paramétriques. Donc, on va d'abord effacer cette partie pour continuer avec le plan d'étude. Là, la définition déjà notée. Et ici, les exemples déjà vus. Alors, on va voir comment étudier une courbe paramétrique. OK. Donc, revenons sur le plan d'étude. Alors, nous allons dire le plan d'étude. d'une courbe paramétrique est identique à celui de n'importe autre fonction. Voilà. Donc ici, parce que les élèves ont toujours peur lorsque la fonction est donnée sous forme d'accolade, on voit le x de t, on voit le y de t, tel que cela est lié avec sa représentation paramétrique, on a peur. Comment étudier, comment on va tracer? Alors le plan d'étude est identique à celui de n'importe autre fonction. Mais ici, on va voir le cas particulier qui est lié sur les courbes paramétriques des fonctions circulaires. Donc là, on va dire pour les fonctions circulaires, donc les courbes paramétriques des fonctions circulaires, bien sûr,
On étudie. On étudie. Donc, on peut aller directement. On étudiera la parité. On étudiera la parité. Donc, la périodicité, c'est mieux. On étudiera la périodicité. La périodicité. Donc ici, quand on étudie la périodicité, nous savons les fonctions circulaires ne se comportent pas comme les autres fonctions. On connaît les polynômes, les fonctions ln exponentielles. Lui ne se comporte pas comme ça parce que les fonctions circulaires n'ont pas des limites directes à l'infini. Donc la périodicité nous permettra de réduire son intervalle d'étude et pouvoir les calculer sur cette partie-là. C'est pour cela qu'on dit pour les fonctions circulaires, on étudiera la périodicité pour réduire l'intervalle d'étude. Donc, la périodicité est là juste pour réduire l'intervalle d'étude. Voilà. Pour réduire l'intervalle d'étude, des fonctions. Des fonctions x et y. Parce que la courbe paramétrée étudiée, c'est de cette forme-là, avec des fonctions circulaires. Donc, il faut étudier la périodicité pour réduire son intervalle d'étude. OK. Maintenant, là, on va écrire intervalle d'étude, parce qu'on a vu que ici, pour étudier une courbe paramétrée, là, on va plus baser sur les fonctions circulaires. Là, quand la fonction n'est pas circulaire, le plan d'étude ne change pas. Le plan d'étude reste le même comme connu dans d'autres fonctions étudiées précédemment. Maintenant, pour les fonctions circulaires, paramétriques circulaires, on doit d'abord commencer à faire étudier la périodicité pour réduire son intervalle d'étude. Donc, on passe à petit a, intervalle d'étude. Donc, ici, on va écrire petit a, dans le plan d'étude, bien sûr, intervalle d'étude. Intervalle d'étude. OK. Là, c'est l'intervalle d'étude d'une courbe paramétrique. Revenons là. L'intervalle d'étude, on va écrire à ce niveau. Ne confondez pas cette partie avec le petit a qui est notre intervalle d'étude. Donc, je mets juste un trait là pour séparer le plan d'étude annoncé et l'intervalle d'étude. Donc là, nous allons dire l'intervalle d'étude d'une courbe paramétrée. D'une courbe paramétrée. C, on doit noter cette courbe-là. Je vais parler à tout moment, courbe paramétrée. Donc, c'est noté C, cette courbe paramétrée. Donc là, L intersection d'intervalle. Donc ça, c'est l'intersection d'intervalle d'étude de X et de Y. Voilà. Donc, ici, les fonctions X et Y sont des fonctions numériques telles qu'ils se présentent. On passe à petit a, ensemble de définitions. Ensemble de définitions.
Et on revient, on va définir ça, l'ensemble de définition d'une fonction, d'une courbe paramétrée qui est liée à la fonction vectorielle f. Donc, l'ensemble des définitions l'ensemble de définition sur les définitions d'une fonction vectorielle associé à la représentation paramétrique paramétrique de C est l'intersection des ensembles de définition et définition de X et de Y. Notez le point EF égale à UX inter et Y. Voilà. Donc, ici, on cherche à représenter les courbes paramétrées. Nous sommes sur l'ensemble des définitions. Donc, l'intersection des ensembles de définitions de X et de Y notés EF, tel que se présente. Donc, cela veut dire que la courbe, la fonction X de T a son ensemble de définitions. La fonction Y de T a aussi son ensemble de définitions. Maintenant, pour trouver l'ensemble de définitions commun entre les deux fonctions, il faut trouver l'intersection des deux ensembles de définitions. Maintenant, on va regarder le cas particulier qui parle des fonctions circulaires. Là où il n'y a pas de limite à l'infini, parce que nous sommes dans R en général, on va écrire pour les fonctions circulaires, on étudiera la périodicité. On sait la périodicité pour réduire l'ensemble de définition. OK. Donc, ici, la périodicité est importante pour les fonctions circulaires parce que ils n'ont pas de limite à l'infini directement. Donc, il faut qu'il y ait la périodicité pour que son intervalle d'étude soit réduit à des valeurs de l'ensemble R connues et précises avec leur ligne trigonométrique. Maintenant, pour les fonctions circulaires, il y aura la périodicité. Donc, c'est pour cela, ici, nous allons passer sur la périodicité.
Après, sur la périodicité pour trouver l'intervalle d'étude à base de la périodicité. On vient petit b. Périodicité. Périodicité. Donc, comme nous avons deux fonctions, x et y, et chaque fonction a sa période. Et la périodicité qu'on cherche, il faut que ce soit la périodicité commune entre les deux fonctions, x et y. Donc, c'est pour cela, on va dire x et y. Bon, pour ne pas surcharger notre tableau, cette partie est déjà notée. On peut déjà effacer pour continuer clairement avec notre expression. J'ai enlevé cette partie. Voilà. OK. Nous sommes sur la périodicité, sur petit b. On va dire x, y. X de t et y de t sont périodiques. Sont périodiques. De période. De période. T si et seulement si x de t plus grand t égale à x de petit t. Y de t plus grand t, qui est la période, égale à y de petit t. Donc, ici, tout en sachant que t appartient à R. Donc, quelle que soit la valeur de t dans l'ensemble R, le petit t bien sûr, et le grand T qui est la période, si et seulement si t est la période, alors les deux conditions seront vérifiées. Donc, il faut pas que les élèves confondent de montrer que la fonction est périodique et de calculer la période. Parce que la plupart, quand on dit montrer que la fonction est périodique de période T, alors beaucoup d'élèves se lancent à calculer la période de la fonction. Là, on ne demande pas de calculer la période, on dit de montrer, c'est-à-dire vérifier cette expression-là. OK. On vient sur, notez bien. Notez bien parce que nous avons deux fonctions, x de t et y de t. Il peut arriver que ces deux fonctions, chaque fonction a sa période. Maintenant, comment arriver à trouver la période commune grand T qui va correspondre à ces deux fonctions circulaires? Donc, on va dire si x de t a pour période t1 et y de t a pour période td, alors la période commune, grand T à x de t et y de t est telle que
t égale au plus petit commun multiple de t1 et t2 qu'on a vu depuis la classe de 5e, ce qu'on appelle par le PPCM. Donc, le plus petit commun multiple de ces deux périodes. Donc, T1, c'est la période de X. T2, la période de Y. Donc, les deux périodes sont d'abord calculées à partir de leur formule de calcul des périodes. On trouve T1, on trouve T2. Alors, la période commune entre les deux sera déterminée par cette formule qui est là en bas sur concernant le PPCM de T1 et T2. OK. Maintenant, à partir de là, on peut voir un exemple qui va nous permettre à trouver la période commune grand T lorsque on arrive à trouver la période de X de T et de Y de T et retrouver la période commune. Donc, on peut prendre un exemple à ce niveau-là. Écrivons exemple. Exemple, on considère la courbe paramétrée gamma dans la représentation paramétrique et donc x de t égale 1 demi cosinus de t et y de t égale à 2 plus sinus 3t et t appartient à R. Voilà. Ça, c'est notre exemple. Donc, à cet exemple, nous allons voir comment retrouver la période commune à x, t et à y, t. Donc, là, déjà, tout le monde a déjà noté cette partie. Il faut qu'on efface ou avancer avec ce que nous revient à faire. On efface cette partie. Donc, on va avoir une question. Lorsque nous avons deux fonctions x, t, y, t, telles qu'ils sont là. Alors, la première question, à notre exemple, sera de déterminer la période. La période T1 de X de T et la période T2 de Y de T. La deuxième question en déduire la période commune. On déduit la période commune grand T à XT et YT. Voilà. Donc ici, les deux fonctions x et y sont la donnée. La première question, c'est de déterminer la période T1 de x de t
et la période T2 de Y de T. La deuxième, on déduit la période commune grand T à X de T et Y de T. Donc, écrivons. Solution. On revient sur le 1. Période T1 de X, T et période T2 de Y de T. Souligne. Vas-y, pour X de T. Pour X de T, la formule connue, T1 est égal à 2pi sur la valeur absolue de A. Ça, c'est la formule de notre période T1. Maintenant, pour notre fonction qui est là, ici, avec A égale, le A est là, avec A égale à 2, en remplaçant de la formule, nous avons T1 égale à 2pi sur 2. Les deux vont se simplifier. Ici, on trouve que T1 est égal à pi. Voilà. On encadre la période T1 de X de T. On vient pour Y de T. Pour Y de T, la formule reste la même. T2 égale 2pi sur valeur absolue de A. Cette fois-ci, avec A égale à 3. Nous sommes là pour Y. A égale à 3. En remplaçant de la formule, on a T2 égale 2pi sur 3. Et c'est ça notre période TD. Alors, passons à la question numéro 2. S'il n'y a pas d'inquiétude, bien sûr, et passer à la question 2 parce que là, on vient de calculer la période de X et la période de Y. Ici, la valeur absolue de A, on n'a pas mis les valeurs absolues ici sur 2 parce que 2 est déjà un nombre positif. On n'essaie pas d'écrire encore les barres des valeurs absolues ici. Donc, on prend la question 2. Déduisons la période commune grand T à X de T et Y de T. La période commune. Maintenant ici, d'après notre cours, surnotez bien ici, on voit que la période grand T est égale au PPSM. PPSM qui signifie plus petit commun multiple de T1 et T2. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'abord les multiples de T1 et les multiples de T2. Alors, on prend le plus petit commun multiple entre les deux. Bon, on passe sur notre remarque. Après avoir calculé la période commune à X et Y, on va regarder notre remarque. On va dire si XT et YT sont périodiques
sont périodiques. Si XT, YT sont périodiques, de période T, alors on peut les étudier sur un intervalle de longueur T. De longueur T, soit. Zéro à T moins T sur 2 à T sur 2 moins T à 0. Voilà. Merci. Et je trouve que à partir de la période calculée commune, et lorsqu'on constate que les deux ont la même périodicité, alors l'intervalle d'étude peut être réduit de cette façon-là. Donc, ici, on a presque trois intervalles. Donc, on va écrire, au lieu d'écrire soit, on va dire c'est-à-dire. C'est mieux. Voilà. C'est-à-dire, sur l'intervalle 0 à t, moins t sur 2 à t, et moins t à 0. OK? Merci pour votre attention. Notre cours d'aujourd'hui peut s'arrêter par là. Et la prochaine fois, on viendra commencer sur la parité. Sur la parité et les éléments de symétrie de construction d'une courbe paramétrique. Merci.